suis sûr que si j'analyse vos cheveux, je trouverai des poufs d'étoiles filantes dans mon... On dit souvent que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Est-ce qu'on a une confusion et d'où ça vient? Je vous confirme que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Parce que si on se prenait des étoiles sur la gueule sur Terre, ça serait un peu... Non, les étoiles filantes, ce qui se passe, c'est que dans l'espace, il y a des cailloux, donc ça peut être des astéroïdes. Des comètes, on va essayer d'éviter, ça peut faire assez mal quand même. Mais par exemple, tous les ans, on va passer dans la queue de la comète de Halley. Je pense que tout le monde a entendu parler de la comète de Halley. Derrière, dans la trajectoire de la comète de Halley, elle essaie des poussières. Et ces poussières, bah, quand la Terre va rentrer dans la trajectoire de la comète de Halley, elles vont rentrer dans l'atmosphère, elles vont se réchauffer. En gros, une étoile filante, c'est un caillou de l'espace qui rentre dans l'atmosphère. Et il se réchauffe, et ça fait cette traînée dans le ciel qui aura des couleurs différentes suivant la composition, suivant la vitesse, choses comme ça.